joué de sa part en tout cas. Les premières fautes pour le Strasbourgeois. Et c'est relancé, baseball pass. Pour Brandon Jefferson, qui va faire le tour, ressortir ce ballon. Dans un fauteuil, ou presque. Et la cible qui lance le compteur. Échec de Touré. Ouais. Bien lancé, ballon récupéré par les Strasbourgeois, qui continue à jouer rapidement avec Jefferson. Il a trouvé Boacic débarqué. Il enchaîne à son tour, à 3 points. On parlera du parcours de ce joueur un petit peu atypique, mais qui a perdu ce ballon-là. Longue passe à nouveau vers Boacic qui avait. Et qui va résister au retour. Il est marqué de près cette fois-ci. Ouh, la relation. Et le quadrillage. On va le retrouver, il a des jambes pourtant. Et il va nous balancer ce petit layup. On redécouvre l'élite du basket français. Son maillot de Rohan. Bien et joué, quelle belle passe. Maille, la deuxième couche. Le facteur. Bah ouais. Et le ballon perdu par les Strasbourgeois. Est-ce qu'il va être sauvé? Oh, attrapé du bout des doigts par JB Maille avec de la colle là. Il intercepte, il tire. Bien et joué. Les 3 points pour les Strasbourgeois. On l'a vu faire une première mi-temps assez exceptionnelle. Et encore un rebond off de Ibekwe. C'est incroyable. Ouais, on se fait un peu bouffer là, dans la raquette. On a du mal hein, avec la balle là. Il est souvent obligé de dribbler. Qui trouve Jefferson pareil. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est voilà. Bien. Voilà. On est d'accord. Rohan est en place défensivement en tout cas. Ah, il y a plus de passes côté Strasbourg déjà. Colson, on va retrouver dans le corner la base des Onchik en bout. Et ben voilà. Et pour l'instant, et ben, ils offrent rien. Jefferson qui est un petit peu compliqué. Et le grand rebond pris bien. En offensive pareil tout d'un. Voilà ce qu'il attend. Et Jason va peut-être mettre son deuxième. Et ben voilà, 2 sur 2. Je pense qu'ils vont attaquer le jeune Brouillas. Une fin d'écran et un tir à 3 points pour Brandon Jefferson. Corner, voilà, au meilleur moment. Ok, ça c'est fait. Devant. Ah, et puis, j'aime beaucoup le joueur, enfin, c'est très, très mobile hein, malgré sa très grande taille. Ça y est, DeAndre Lansdowne, la différence. Artis qui fait le grand tour face à Colson. Et interception de Brandon. Qui lance Bonzi Colson, très belle passe. Voilà, pour aller voilà, un jeu dunk. 9 tirs même en première mi-temps pour lui. Il a pris presque le tiers des shoots de son équipe. Colson, allez lui aussi nous donne une revanche après sa première mi-temps. Gérard Bitinte en. Et un est sifflé, tir à 3 points de Boacic. Dommage, il aurait fait du bien celui-là. Ouais, un mini écart, une relance. Chance peut-être. Jefferson, même endroit. D'habitude c'est Gamel. Qui s'arrache son troisième déjà dans ce troisième quart. Il y avait une belle passe. Pas. Ouais, il l'a fait tout ça. Et ouais, c'est dedans. Et le Cavalier point serré, vous l'avez vu. Vendredi ici. Cavalier à 3 points. Rebond off encore de Jules Maille. Allez, la deuxième couche. Et ça finit par rentrer. Toujours, hein, qui va devoir travailler un petit peu, sortir ce ballon pour JB Maille. Et ça finit par passer pour le meneur. Hein, qui est partout, qui a un énorme boulot hein, en défense, dans l'intensité, dans la présence, dans l'énergie un petit peu communicative. Le plus grand écart du match. Ah, mais donnez-lui la balle. C'est pas le dernier. Hein. Allez, il s'est rien passé, on a compté une minute. Avec une belle passe. Jefferson d'habitude, c'est dedans. Ah, c'est le tempo qu'il affectionne. Elle lui est tombée dans les paluches. Hein. Avec Jefferson. Ouais, ça tombe dedans, ça fait du bien. Et là, il est quand même en patron, a bien distillé, bien enchaîné, bien organisé le jeu. Et Wayne White. Right pour nous. Kiyodano qui va mettre sa touche.